La légende racontait que ce youtubeur ne savait faire que du Rainbow Six et anciennement du Division. Il ne se concentre exclusivement que sur une chose, et il ne sait peut-être pas faire deux choses en même temps. Ce n'est pas une femme. Il frague, sans compter ses ennemis, mais seulement sur un jeu. Il progresse, il avance, il conquiert, mais seulement sur un jeu. La légende disait-elle vrai? Ou serait-ce une ruse pour tromper le YouTube game français? Oui, c'est vrai, la voix off, c'est moi, mais je vois pas trop de quoi vous parler. Salut les potes, c'est White, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur PUBG, un jeu où j'étais précédemment très très chaud avec Nabila et Killu. On a déjà fait plein de trucs en live avec lui, on a déjà fait plein de choses au début du jeu. C'est à un moment donné où je n'étais pas sur R6 ou un petit peu moins. Voyons voir de quoi on est capable aujourd'hui. Est-ce que la légende est morte? Est-ce qu'elle va revenir dans le PUBG game? Je ne sais pas. C'est notre coup d'essai aujourd'hui, tout simplement. Alors, mon petit personnage, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai acheté mon jeu 50 euros. Ouais, on a un peu d'argent quand on est youtubeur, hein. Mais du coup, mes 50 euros se sont largement rentabilisés puisque les skins que j'ai sur moi valent plus de 1500 euros. C'est très bien quand même. Ah, vous pouvez même pas imaginer ce que ça fait que de se retrouver sur du PUBG de nouveau. Ça fait vraiment bizarre, hein, quand on fait du R6 tout le temps, toute la journée, à toutes les sauces. Tac, bim, boum. Bon, en ce moment, je décroche un peu, je fais du The Evil Within, mais là, on est sur PUBG. Ça fait très longtemps. Ah ouais, ça m'a pas manqué ça de spawner, de me retrouver coincé dans le lobby. Let's go. C'est parti. Alors, si je me souviens bien, déjà, c'est M pour ouvrir sa carte, ce qui est forcément... voilà. C'est bien, hein, je m'en souviens, c'est une bonne chose, c'est déjà vachement encourageant. Alors, ici, par où arrive mon avion? Il arrive par l'ouest. On va se faire un petit Yasnaya, je pense. Parce que Rozok, je me souviens, ça pue la merde. Comment on met un marqueur de nouveau? Oh non, j'ai drop! Le vol du phénix, on appelait ça avec les poteaux. J'ai été formé par le grand Nabil Larèche, je me souviens comment ça se passe. Ah ouais, mais ça commence bien là, frérot. Bah, je me suis déjà drop sans faire exprès. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Généralement, c'est un carnage là-dedans. Et puis, il n'y a pas trop grand-chose comme loot. Le landing est complètement dégueulasse. Alors, déjà, on va se taper les hangar. Oh, il y a un ennemi direct sur moi là. Faudrait que j'arrive à looter une arme en 2 spi, un x8 et un casque. Alors là, mon pote, qu'est-ce que j'en ai à branler de ton x8 tant que j'ai pas d'armes. Ça tire déjà très bien, donc il y en a déjà qui sont équipés. Faudrait que j'arrive à prendre le shotgun là dans son dos sans qu'il me capte. Voilà, on ramasse ça. Ça va ou quoi? Tu crois que je t'ai pas vu? Essaye de sortir. Hop là! On reprend les bons réflexes. Mini 14. What the heck is going on? Ah, mais j'ai raté trop de trucs, frérot! A few moments later. Et si je me souviens bien, le mec que j'ai buté, il tirait sur quelqu'un. Là-bas, il y a du monde au niveau du hangar. Je crois qu'il m'a vu. Hop là! Ça c'est fait. Deuxième petit kill. On est trop chaud. Peut-être au niveau des grands bâtiments, il y a toujours des trucs là-dedans. Mais du coup, je vais peut-être pas tomber tout seul. Fuck. Merde. Je me retrouve un peu coincé là. Est-ce qu'il est rentré dans le bâtiment rouge? Wow. Mother of God. We got this. Troisième kill. Très intelligent. Il a un gilet 2. Mon casque est toujours intact. Au moins, il a un sac. Ça, c'est bon ça. On commence relativement fort et bien bien équipé là pour le coup pour une fois. J'adore la 416, alors je sais pas pour vous mais je pense que la 416 est l'une des meilleures armes du jeu. Elle est précise, elle est stable, elle bouge pas. Elle bouge pas, hein, voilà, faut dire la vérité. Là j'ai un masque balistique et je crois que le masque balistique ne dévie pas les cartouches. Donc effectivement, on s'en bat un peu les couilles. Ah, là je suis juste à côté de la zone. Par contre du coup, va falloir que je fasse gaffe au super botteur là-haut. Mais je m'en fous, j'ai un petit snipe qui est vraiment pas trop trop mal. Alors peut-être que je peux faire un tour encore dans la maison ici. Faudrait que je regarde où elle est partie la moto parce que là j'ai complètement louché. Hein. Je pense qu'elle est partie là-bas à gauche dans les hangars. Je vais essayer de la chasser. Je vais essayer de chasser tous les kills que je verrai. Oh! Merde, je crois que j'ai perdu sa trace. Je vais essayer de me rapprocher de lui, je vais essayer de le sick jusqu'à la mort. Pour moi, il a avancé vers les bâtiments là-bas. Allez, ça va le faire. Je suis bloqué sur toi, je suis verrouillé. Allez, gros. Allez!
J'ai encore celui dans le dos là. Au moins j'ai un véhicule. Faudrait que celui dans le dos il me shoote pas. Que je puisse prendre son véhicule et me casser. On a déjà fait un putain de carnage là. C'est un truc de ouf. Ah, je l'ai casqué deux fois je crois. Compensateur SR. Oh. Suppresseur AR. Oh. Alors toi t'es vraiment très bien mon pote. Mais par contre t'es comme moi, t'es un peu en dèche de balle non? Nous allons nous rapprocher. Deux. Merde. C'est pas exactement ce que je voulais faire, ça fait longtemps que j'ai pas Allez, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Allez, c'est parti, on y va. Dès qu'on est dans la zone, on va drop. Il en reste 38 en vie. Et on est tout à fait capable de faire un solo top 1. Il y a qu'un pont et il est là. Il va falloir que je monte en haut à droite. Prendre le plus de hauteur possible. Ça va quoi? Excuse-moi, j'ai été un petit peu violent avec toi, mais je t'ai vu arriver à 15 bornes. Tu m'en veux pas, non? Je suis désolé. 9 kits de soins, et ben mon enculé. Allez gros. Allez, 6 kills. Merde. C'est encore raté. Yes, trop dur. Oh, on va se mettre un petit painkiller. Il en reste 31 en vie, je suis à 7 kills. On va reprendre notre ligne de visée sur le mec qui était derrière l'arbre. Je sais pas s'il est encore là ou pas. J'en ai un gars qui arrive derrière. Ça serait bien que tu t'arrêtes là. Ça tire dans la zone. Je suis toujours dans la zone. Et je vais essayer de me mettre là sur le haut de la colline. Je serai bien, j'aurai un bon visuel. Par contre, ça commencera à être dangereux pour moi. Merde, non ! Non ! 8 kills, 8 kills. 26ème. Fuck this shit, man. Fuck. Oh, god damn it. Oh, ça me fait chier. Je peux pas vous laisser là-dessus. Je suis obligé d'en refaire une. Je crois que je vais aller chercher du renfort. Channel switched. Ouais, ça va ou quoi? Hello, boys. Ça va? Ouais, je suis en vidéo. Tu veux en faire une avec moi, là? J'ai besoin de renfort. Ah, bah vas-y, j'arrive. Mais tu joues tout seul? Bah ouais, je fais ma vidéo tout seul, tranquille. Toi du bâtiment rouge. Devant moi. Je suis un fils de pute si je le tue pas. Non, c'est lui, il me tire dessus parce que des fois il est pas gentil en fait. Il y en a un qui est derrière le bâtiment rouge. Et un qui m'attend sur le toit. Il est derrière, à gauche. Il fait le grand tour. Help! Derrière la barrière, à gauche. Dans mon dos. Sur le toit. Sur le toit, sur le toit rouge. Sur le toit rouge. Attends-moi, je viens avec toi. Attends-moi. On va faire ça propre. Quel propre. Let's go, man. Il a sauté, je crois. Où t'es? Il est re-rentré. Attends, la porte. Oh, dommage. Une balle. Merde. Passe à l'autre. Woo!
Holy Jesus. Holy Jesus. Oh non. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu du Rainbow Six. Cette fois-ci, on n'aura pas fait de top 1 comme on avait fait avec Nabil et tout il y a un moment. Mais je trouve que c'est pas mal, il y a eu beaucoup de kills, même si c'est pas forcément l'objectif du jeu. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous voudriez voir sur la chaîne dorénavant. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Rendez-vous ce soir 21h, rendez-vous ce soir vers 23h pour la suite de notre aventure sur The Evil Within 2. Et je vous invite encore une fois à checker le lien de la boutique dans la description. Si vous voulez des pulls ou des t-shirts, Team Shark tout simplement, ils ne resteront pas très longtemps. Ciao ciao, à ce soir, à la prochaine, ciao tout le monde, peace. Remember, I used to be that kid that every day would get rejected. I got my story, the glory was painted on a song. I'm mortified but feel immortal. This pen to this paper always open up different portals. It's I and me, it's me and I. I'm by myself, I'm down a ride. I'm taking on the tide, size of tsunamis touching the sky. I got a quick scan, it's time to move. Leaving everything.